Salut à tous, ici Profitroll sur la chaîne The Dragon Priest. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Satisfactory, un jeu sur PC, en Early Access, donc pour l'épisode 4. Donc la dernière fois, on avait construit tout ce qui était fonderie de cuivre, un peu d'électricité, et puis bah voilà quoi, 2-3 babioles. Donc n'hésitez pas à me dire si le nouveau format de vidéo vous plaît ou pas. Parce que ben j'en ai aucune idée, hein, c'est à vous de me dire. Parce que j'ai plusieurs formats de vidéo. En gros, l'épisode 1. L'épisode 1, c'était uniquement le son du jeu et le son de ma voix, et c'est tout. L'épisode 2, c'était le son du jeu, de ma voix, comme d'habitude, pareil. Avec un fond de musique et des accélérés sur les crafts. Et l'épisode numéro 3, si je me trompe pas, c'était pas d'accélérés, c'était bah, pas d'accélération et puis du coup pas de. Comment dire, je sais plus comment expliquer ça. Pas d'accélération et. Mais de la musique en fond, ouais, voilà, c'est ça. Bref, du coup, pour repartir sur le jeu, donc du ciment, on commence à en avoir un petit peu. Là, je vous montrais que ben, l'escargot bizarre là-haut, là, je l'ai bien vu, hein, mais on peut pas le chercher parce que, comme je vous montre là à l'instant, il n'y a pas les fabrications, les constructions pour pouvoir y aller. Donc, j'aurais pu bidouiller avec autre chose, mais bon, on va attendre d'avoir les fabrications pour aller les chercher. Donc le cuivre ça avance, il n'y en a pas énormément mais c'est toujours bien. Par contre le fil, il y en a pas mal, hein. On commence à en avoir un paquet. Après le cuivre c'est normal qu'il y en a un peu moins, c'est parce que j'arrête pas de taper dedans. Et puis ça produit pas énorme. Donc j'ai dû merder quelque part, hein, mais bon. On verra pour les améliorations plus tard. Il y en a toujours celle à béton pour la deuxième qui est toujours pas branchée parce que je sais pas si je pourrais la brancher vu que j'ai pas assez de courant et tout ça, c'est un peu la merde. Pour le moment, je peux pas vraiment. Ça va venir, mais pour l'instant, j'aimerais bien avoir le charbon avant, mais il faut améliorer la base absolument. Alors, il y a le caillou là, il y avait un minerai au-dessus, donc je vais passer par là. Et je vais tenter le saut. Hop! Et voilà, c'est bon. Impeccable. Donc on casse tout ça. Voilà. Et puis, du coup, on va mettre ça dans le coffre parce que j'en ai pas besoin. À part peut-être. Je sais pas, ouais. On va voir. Du coup, là, on va lancer la fusée que j'avais préparée dans l'épisode d'avant. Et comme ça, on a obtenu du craft. Notamment ce qu'on avait besoin pour chercher l'escargot, il me semble. Non, peut-être pas. Ah non, c'était juste. D'accord. C'était juste le MAM. Ah bah le MAM, on va en avoir besoin, c'est le laboratoire pour faire les recherches. Et justement, le soufre, on pourra le rechercher pour trouver des minerais. Donc il manque 5 plaques renforcées. Bon, ça va, il manque pas grand chose, autant essayer de le construire maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut des vis et des plaques. Pour faire des plaques renforcées, là je peux en faire déjà. Allez, on va en faire un peu. Alors c'est assez rapide, mais quand il y en a très peu, parce que quand il y en a une centaine à faire, c'est un peu long. Quand il n'y en a que 5, ça va. Donc du coup là je sais pas si j'ai ce qu'il faut du coup. On va regarder ça. C'est bon. Alors on va le mettre à côté de ça. Même si c'est provisoire parce qu'après on va refaire un truc plus propre. Mais là c'est vraiment en attendant. On va les mettre côte à côte. Parce que par la suite... Je construirai une grosse base énorme au-dessus de là où je suis actuellement. Donc du coup là on peut faire les recherches. Donc bah la bouffe ça tombe bien j'en ai. Hop, on recherche. En 3 secondes c'est fait. Tac.
Ça, pareil. Hop. Puis bon, bah, le lardon, je crois que j'en ai pas. Non, j'en ai pas, donc c'est mort. Et ça, il faut des trucs que j'ai pas encore. Donc ça attendra. Quartz, il me semble que j'en ai dans mon coffre. Je vais aller chercher. Hop. Du quartz, du soufre et des extraterrestres. Hop. Et puis c'est tout. Hop là, c'est reparti. Voilà. Alors, soufre. Hop. On fait la recherche de 3 secondes. Voilà. Et là, il nous faut de la poudre. La poudre, j'en ai pas parce qu'il faut du charbon. Donc, vu que j'ai pas encore trop de charbon, c'est mort. Quartz, c'est parti. 3 secondes. Hop. Et du coup, on a du. Soit le silice, soit les fragments. Donc, vu que ça va le fragment, ça débloque d'autres trucs, c'est quand même plus intéressant que le silice, ça débloque un truc. Ouais, voilà, ça nous débloque ça. Ouais, il va nous falloir le silice pour le fabriquer, sans doute. Ou non, peut-être pas, j'en sais rien. En bref, ça, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, quartz soufre, c'est fait. Nutriments, c'est fait. Organisme extraterrestre qui reste. Voilà. On fait la recherche du premier. On fait la recherche du deuxième. Voilà. Puis on va prendre les biocarburants, ça peut toujours servir. J'en ai pas assez. Tant pis. Ça, il faut quoi? Ça, ouais, ok. Bon, j'en ai plus, mais ouais. Ok. Bah, la prochaine fois, il va falloir que je chasse des monstres pour avoir ce qu'il faut. Mais pour l'instant, c'est pas urgent. Donc, impeccable. Sinon, là... ouais. Okay. Okay. Ça c'est bon, ça j'en ai pas besoin, ça non plus, et ça a l'air d'être bon. Ok, alors on peut faire ça, et ça c'est important, c'est pour fabriquer la base, donc ça c'est très intéressant, et on a quasiment tout ce qu'il faut. Sauf le béton, je crois, on n'a pas tout le béton. Donc on va aller en chercher. Hop. Voilà. On met ça dans la machine et puis c'est bon. On lance la fusée. Et on a déjà toutes les fabrications. C'est rapide. Donc, moi je bouge le micro parce qu'il est mal au dos, il est mal positionné, du coup je suis un peu tête en arrière pour vous parler, donc c'est pratique. Ouais, donc là je vais fabriquer un petit peu de béton, parce que bah, j'en ai dû en récupérer quelque part. Qu'est-ce qu'on pourrait... crafter d'autres, je sais pas. Non, voilà, il n'y a pas grand chose à crafter pour l'instant, je sais plus ce que j'ai besoin. Donc attendez 2 secondes, j'arrive. Voilà, donc me revoilà. Du coup là, bon bah il n'y a plus qu'à attendre que la fusée revienne. Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant? Je crois que de toute façon on a fini les trucs, je regarde. Pas sûr. Ah non, il y a encore ce palier là. On a le palier 2 à faire. D'accord. Alors dans le palier 2, il y a
ça, avec l'assembleuse qui vaut quand même le coup. L'assembleuse ça vaut le coup. Après dans le tremplin c'est nul. MK2 c'est pas mal aussi. Ça permet de mettre des tapis plus rapides pour certaines productions. Broyeur et magasin, ça donne des trucs qu'on n'a pas encore. Donc c'est quand même pas mal. Tronçonneuse pour faire du biocarburant, c'est pas forcément terrible, mais c'est mieux que rien. Alors du coup, on va partir sur le premier. On va mettre du câble. Il faut des tubes, des vis, des plaques. Quasiment la totalité des plaques qui manquent pas mal de vis. Et il va nous falloir aussi des tubes. Ok, donc de toute façon c'est marqué en haut à droite. Hop. J'aurais sûrement peut-être pas assez pour faire tout, mais on va essayer. Je pense qu'on va passer ce passage là parce que ça va être un petit peu long quand même. Donc on se retrouve juste après. Les plaques c'est fait. Apparemment les câbles j'ai pas mis tout. Ah, il me manque un tout petit peu. Donc là on va reprendre des tubes et des plaques. Donc je mets des tubes ici. Je sais pas si sans ça va le faire. Voilà. J'ai pas pris. Ah bah non les plaques j'en ai pas. Par contre j'ai pas pris le reste, c'est pas grave. Ah il m'en manque un tout petit peu je crois. Ah non, c'est bon. Donc il va falloir plein de 10. Il en faut 500. On se retrouve juste après. Voilà, on a construit les vis, donc du coup c'est bon. Maintenant il va nous falloir des câbles. Et puis d'autres vis, parce que j'en ai pas assez, mais c'est pas grave, on va se démerder. Alors déjà on va chercher... des tubes. On va en prendre 200 direct comme ça on est tranquille. Hop là. Ah, les vis c'est bon maintenant, il reste plus que les câbles. Donc le câble c'est bon, on prend là. Et voilà. C'est parti, on lance la fusée. Milestone reached. More complex assembly of parts can now be automated. Project assembly parts can now be constructed and sent up via the space elevator. Note. Donc il nous reste, ah ouais, on a eu l'assembleuse du coup. Et puis tous les non ça c'est tous les blocs comme ouais que j'ai bloqué tout à l'heure. Du coup on peut aller chercher notre escargot maintenant. Enfin, escargot limace. Ils appellent ça. Ça fait penser à des... Quand on construit, ça fait un peu penser à Fortnite, mais... Dans le sens où... pour poser les constructions, c'est un peu pareil. C'est beaucoup plus facile que dans Amperion, par exemple. Pour ceux qui connaissent.
Parce que dans Empyrion, il y a plein de touches pour pivoter, pour faire ci, pour faire ça. C'est tout un art, hein. C'est galère. Donc là, on a du coup une électrolimace qu'on peut scanner. Donc la première limace qu'on a, on la scanne pour débloquer des charges de surcadenceur pour pouvoir alimenter les machines de production. Donc après, il n'y a plus besoin de limace, il faut juste des matériaux. À part pour la limace jaune, mais bon, la limace jaune, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout, oui et non, parce que c'est quand même mieux d'avoir un éclat de charge jaune, mais... Ce que je veux dire par on s'en fout, c'est que il donne aussi la possibilité de les scanner par avec le scanner, mais ça m'intéresse pas parce que le scanner il détecte que les objets proches, donc en général ils sont jamais à côté de toi, sinon tu les vois, quoi. Donc c'est un peu débile, mais bon. Alors du coup j'ai pris des plaques et tout ça pour faire l'amélioration. Pour pouvoir la prochaine fois pouvoir surcadencer mes machines. Donc voilà, ça dure 5 minutes. Du coup, en attendant, on refait autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant ces 5 minutes? La capsule lancée est toujours pas revenue. Et le prochain, c'est celui-là. Donc, vas-y, c'est parti. Il faut juste 3 trucs. Voilà, donc ça va. Vis, câble et béton. Donc là, il va nous falloir des tubes. J'ai tout bouffé. Hop, encore 200. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il me fallait encore? Re tout le monde. Donc voilà. On a fini normalement de construire ce qu'il nous faut, non? Les vis c'est bon, les câbles il m'en manque, mais ça c'est pas grave, j'en ai encore plein, le béton c'est bon. Donc on va aller chercher les câbles. Ah, il commence déjà, il fait déjà nuit. Hop, voilà. Ensuite, voilà, mes câbles, on appuie sur la fusée, c'est parti. Donc on a vachement progressé aujourd'hui, on a fait au moins 3 déjà d'un coup. Ça évolue beaucoup plus vite qu'au départ, mais on va pas évoluer comme ça à chaque fois. Là c'est vraiment le début. Le début c'est le plus facile. Donc Ara parle, mais je comprends rien, c'est raconte, j'en fous. Le but c'est juste de récupérer le maximum de jalons possible. Donc le prochain c'est tremplin, mais je préfère faire un autre puisque c'est plus utile de faire cela d'abord, même si on est obligé de les faire tous de toute façon, mais je préfère faire celui-là en premier. Sur le cas où que j'ai plus assez de ressources, au moins j'ai les plus principaux, les plus importants. Donc il nous faut du béton, il va nous falloir du cuivre normal et puis des plaques et des tubes. Donc les plaques on verra après. Là on a déjà... Ah oui c'est vrai, la fusée n'est pas revenue. Tant pis. Du coup, on va aller chercher les tubes et les plaques. Donc les plaques ici, il va nous en falloir 200. Et les tubes aussi. Voilà, impeccable. Donc les tubes, pareil, 200. Hop. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre que la fusée revienne, il reste combien? ? 50 secondes, ok, c'est comme ça. Il reste une minute quoi. Ah c'est long.
Puis d'ailleurs, tiens, quand j'y pense, je tenais à vous dire aussi que plus on évolue dans le jeu, plus on fait des points de compétences, et plus c'est long à ce que la fusée revienne. Donc, plus vous allez améliorer, plus ça va être long. Là, on la voit, ça y est, elle arrive. Le bruit que ça fait, c'est quand elle rentre dans l'atmosphère. Et puis c'est tout. Après, elle fait pas trop de bruit que ça, mais... Ah, le fusil va casser, merde. Là, j'ai plus de courant. Ah, les machines sont vides. Merde. Alors, on va essayer de s'occuper peut-être de la fusée d'abord. Donc. Voilà. Hop là, c'est parti, ça dégage. Donc, un encore de plus en amélioration. Ensuite, maintenant, on va pouvoir faire du carburant pour les générateurs, je pense. Il faut la tronçonneuse. Pour faire une tronçonneuse, des tubes et des vis. Des vis et des tubes, oui, c'est ça. Plus des plaques.